aujourd'hui, je vais vous montrer le cadeau qui vous permet d'obtenir la pioche de Noël, les gars. Vous allez voir, c'est très très simple. Je vais vous montrer quel cadeau il faut ouvrir. Bref, vraiment, pour savoir tout ça, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et très 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 important, les gars, jusqu'à le 25 décembre. Donc on est le 19 décembre aujourd'hui au moment où je vous fais cette vidéo. Et jusqu'au 25 décembre, je fais gagner toutes les boutiques à 1h du matin. Donc c'est très très important. Je ferai le résultat sur Twitter, le tirage, enfin bref, tout ce qui se passera. Même je pense que je mettrai les résultats et tout dans l'espace communauté. Donc si les gars, vous voulez gagner toutes les boutiques du 19 décembre au 25 décembre, vous avez juste à aller dans la boutique d'objets et mettre mon code créateur Kickle14 en minuscule ou en majuscule. Peu importe, tant que vous le mettez dans la boutique. Et très très important, il faut vous abonner à ma chaîne en activant les notifications. Et n'hésitez pas à lâcher votre petit like. Et dans les commentaires, les gars, je vais vous poser une question. Quelle a été votre récompense de votre premier cadeau? Donc c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez eu dans votre premier cadeau quand vous l'avez ouvert? Qu'est-ce que vous avez eu quand vous avez ouvert votre premier cadeau? Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez eu un écran de chargement? Est-ce que vous avez eu un petit logo? Une petite bannière? Est-ce que voilà, vous avez eu une pioche? Ou même du coup une petite traînée? Une petite emote? Une petite danse? Enfin bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Ou alors même le planner Star Wars, je sais qu'il y en a eu énormément qui l'ont eu. Mais bref, là n'est pas le sujet. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel cadeau il faut ouvrir pour obtenir la pioche de Noël. Et du coup, sans plus parler et sans plus tarder, bonne vidéo à tous. Du coup les gars, pour la première news, on a tout simplement une nouvelle fuite qui suggère l'arrivée d'un pass de combat annuel sur Fortnite. Oui les gars, on a découvert le prochain pass de combat, le pass de combat 2020 sur Fortnite. C'est un truc de malade, on a son prix, on a ce qu'il va y avoir dedans, on a les images et tout les gars. Mais avant de commencer tout ça, je vais déjà vous mettre une petite image qui nous a été leak du prochain pass de combat annuel, qui coûte exactement, du coup je vais vous le dire, 7800 V-Bucks. Donc ok les gars, c'est 78€, c'est un pass de combat qui est annuel. Je vais pas vous mentir, c'est assez cher. On a aussi la description de ce pass de combat. La description de ce pass de combat est la suivante: achetez le pass annuel 2020 et recevez tous les passes de combat à venir en 2020. C'est pour ça que c'est aussi cher. Donc ça veut dire au moins en 2020, je pense qu'on aura au moins 6-7 passes de combat. Donc franchement, c'est largement rentable dans Fortnite Battle Royale. Et 7 objets exclusifs. Donc c'est un truc de ouf les gars. Les packs déverrouillent instantanément 25% du pass de combat. Donc autant vous dire, vous avez déjà un quart du pass de combat quand vous achetez du coup le pass annuel 2020. En gros, vous achetez ce pass, ça vous fait acheter automatiquement tous les prochains pass qui vont sortir dans l'année 2020, sachant que vous en aurez pour beaucoup plus que 7800 V-Bucks, je pense vers 9000, 10000 V-Bucks. Donc franchement, c'est largement rentable. Pour la deuxième information, pour la deuxième news, appelez ça comme vous voulez, on a eu la liste des armes qui vont revenir sur Fortnite durant la fête hivernale. On a les fuites de ces nouvelles armes et objets cosmétiques. C'est un truc de ouf les gars, je vais vous mettre à l'écran toutes les armes qui vont revenir, tous les objets cosmétiques, vraiment là. Epic Games, ils font du lourd, le jeu les gars, mais vous allez voir, je vais le manger, je vais geeker tout l'hiver. Vraiment les gars, on va avoir plein de récompenses gratuites. Et en plus, ils vont remettre des armes de ouf. Regardez les gars, je vous mets tout de suite toutes les armes et objets cosmétiques qu'on va avoir, qui vont être de retour. Du coup, donc je vais vous les citer. On a le double barrette, on a le pistolet, non, le double barrel, excusez-moi, on a le pistolet mitrailleur à tambour, pistolet à silex, bombe puante, fusil d'infanterie, double pistolet, pistolet mitrailleur tactique, grenade répulsive, fusil à pompe à tambour, arc explosif, canon à main, pistolet mitrailleur silencieux, fusil de sniper lourd, boogie down, pistolet à silex, pistolet mitrailleur à tambour, fusil d'infanterie, canon à main, pistolet mitrailleur tactique et arc explosif. Donc on a plusieurs trucs. Après là, on a les dates exactes, c'est pour ça. En fait, je vous les ai cités plusieurs fois, mais tout simplement, voilà, en gros, on a les dates à côté. Bon, je pense que je vais vous mettre un petit screen. Donc quand elles vont arriver, puis quand elles vont repartir, franchement les gars, c'est un truc de ouf. On va avoir énormément d'armes et objets cosmétiques qui vont revenir. Franchement, moi, je kiffe, enfin, l'arme ou l'objet cosmétique pour laquelle je suis trop content qu'il
intervienne, c'est tout simplement déjà le barrette, on va pas se mentir, ça c'est vraiment ultra stylé. Et aussi du coup la grosse répulsif là clairement, et la boogie down, c'est, alors la boogie down je sais, ça paraît de la merde, mais c'est tellement bien, c'est là depuis le début sur Fortnite, tout le monde est habitué, enfin du moins pour les personnes qui sont là depuis le début, et franchement les gars ça va rappeler un souvenir de ouf. Pour la troisième news les gars, on va tout simplement parler d'un nouveau mode de jeu temporaire qui se nomme Terre à Terre et qui est enfin disponible pour sur Fortnite pour la fête hivernale du jour numéro 2. Donc voilà, c'est un nouveau mode de jeu qui est vraiment ultra stylé. Ce mode de jeu avait déjà été ajouté en décembre de l'année dernière il me semble, et il revient du coup au même moment de cette année, donc le mois de décembre pareil. Terre à Terre, c'est un mode de jeu qui se joue uniquement en section. La description de ce mode est la suivante, je vous la cite. Dans Terre à Terre, pas question de tirer dans tous les sens ou de construire à tout va. Vous pouvez porter moins de matériaux de construction et les munitions maximum sont limitées, alors exploitez au mieux les cachettes naturelles et utilisez vos armes avec parcimonie. Donc franchement, le mode de jeu a l'air plutôt cool. Moi je crois que je l'avais pas testé l'année dernière, je sais plus du tout. Dites-moi si dans les commentaires si vous avez déjà testé ce mode de jeu, est-ce que ça vous dit quelque chose, est-ce que vous avez déjà joué, ou alors même est-ce que vous avez joué sachant que le jeu vient de revenir, enfin le mode de jeu vient de revenir ou quoi. Bref, dites-moi ça dans les commentaires, est-ce que vous le trouvez super stylé. Moi je pense que ce soir je vais lancer une petite game de Fortnite et je vais me tester ce petit mode de jeu, franchement qui m'a l'air plutôt sympathique. Pour la quatrième news les gars, on va tout simplement parler des secrets de la cabane de la fête hivernale sur Fortnite. Donc oui, quand on ouvre nos fameux cadeaux, excusez-moi, on a tout simplement des petites cachettes secrètes, des petits secrets de la cabane justement, et je vais vous les citer maintenant. Donc on va parler de la cheminée, l'XP passif tout simplement. Vous pouvez gagner passivement de l'XP en vous asseyant près du feu à côté du casse-noisette. Vous avez probablement remarqué quelques petits tics XP lorsque vous entrez initialement dans le feu, mais elles deviennent encore plus grosses plus vous attendez. Donc en gros voilà, plus vous attendez plus vous gagnerez d'XP, et franchement bah on va pas se mentir que c'est plutôt stylé. Franchement je trouve que Epic Games ils ont pas mal géré. On a aussi du coup un deuxième petit secret dans la cabane hivernale, Pili veut rentrer. Donc voici un joli petit easter egg que vous pouvez voir en visitant le jukebox, cliquez sur la banane et Pili pointera sa tête dans la fenêtre. Et franchement les gars, on va pas se mentir que c'est des petits indices plutôt stylés, des petits secrets assez sympas. On va pas se mentir que voilà, Epic Games sur le coup ils ont géré, des petites blagues à côté ça fait toujours plaisir. Et du coup pour finir les gars, on passe au vif sujet de cette vidéo. À mon avis les gars, c'est vraiment le sujet de la vidéo que vous attendiez tous. Je vais vous montrer le cadeau exact qui vous permet d'obtenir la pioche de Noël. Vous allez voir, on a trouvé un petit screen dans les fichiers du jeu, on a tout simplement un leaker qui nous a fait fuiter du coup ce petit screen que je vais vous mettre tout de suite à l'écran. On a exactement les gars les emplacements précis des cadeaux, où se situe chaque récompense. Donc regardez par exemple pour les cadeaux violets, on a soit une pioche ou alors un petit CD. Donc du coup pour la pioche, justement c'est le sujet principal, pour la pioche de Noël ou même pour le pioche petit pain d'épices, vous avez tout simplement besoin d'ouvrir un cadeau de Noël. Alors oui c'est clair, vous allez me dire vous avez une chance sur deux, je suis tout à fait d'accord, car c'est pas fini aussi les gars, on a aussi le cadeau jaune qui nous permet d'obtenir une pioche. Donc je tiens à préciser que normalement le cadeau jaune c'est pour la pioche pain d'épices, et pour le cadeau violet c'est du coup soit pour le CD ou alors du coup la pioche de Noël festive. Donc je sais pas comment on peut l'appeler, mais bref c'est la pioche de Noël sucre d'orge qui ressemble un peu, enfin du moins qui a la texture. Et du coup voilà, pour le cadeau jaune c'est une pioche, ou alors contre trail ça doit être une petite bannière ou un truc du genre. Donc voilà, franchement on peut voir déjà rien qu'au cadeau, on a juste le cadeau violet et le cadeau jaune qui nous permet d'avoir la pioche. Donc déjà tous les autres cadeaux on peut les éliminer pour les pioches. Après voilà, si vous voulez voir le reste je vous les cite. Pour le cadeau bleu on peut soit avoir normalement un revêtement si je me gourre pas pour wrap, et tout simplement pour glider on a tout simplement un petit parapluie, un petit planeur. En vert on a un skin, franchement c'est ultra stylé, Epic Games ils ont géré de ouf. Pour le cadeau rouge on a tout simplement un écran de chargement et une petite bannière icône. Pareil pour le petit cadeau bleu ciel, on va l'appeler comme ça, un planeur ou un revêtement, je pense que c'est ça. Et du coup pour le cadeau gris noir, on a tout simplement un sac à dos, un écran de chargement ou alors du coup une petite bannière icône. Franchement c'est plutôt stylé. Donc du coup vous savez quel cadeau ouvrir pour avoir la pioche. Donc normalement c'est pas le jaune, de toute façon dans un des deux forcément vous aurez une pioche, de toute façon vous avez 14 jours, on va pas se mentir, pour ouvrir tous les cadeaux. Donc forcément dans les 14 jours obligatoirement vous allez ouvrir déjà un des deux, donc le violet ou alors du coup le jaune. Puis du coup même si au début vous ouvrez par exemple le disque, et puis après voilà le lendemain vous voulez ouvrir le jaune, puis vous avez le contrail, enfin je sais plus comment ce que c'est exactement, vous avez encore enfin d'autres jours pour ouvrir le cadeau jaune et le cadeau violet. Donc forcément voilà, vous avez largement le temps. Du coup voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, et d'ailleurs dans les commentaires